Et sachez, avant de développer ces titres, que le sous-secrétaire d'État américain David Schenker a souligné que les négociations sur la question du Sahara doivent se faire dans le cadre du plan marocain d'autonomie. David Schenker en visite à Alger dans le cadre d'une tournée dans la région qui le mènera aussi au Maroc, a dans ce sens indiqué que la reconnaissance par l'administration américaine de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud est une approche courageuse visant à trouver une solution au conflit autour du Sahara.